Merci pour cette invitation. Je suis vraiment très contente de pouvoir partager une découverte récente d'un tableau inédit de Lambert Lombard. Alors, le micro ne fonctionne pas malheureusement, mais Cécile va... Je vais essayer de parler suffisamment fort. Donc, je vous disais, je suis contente de partager avec vous la découverte récente d'un tableau inédit de Lambert Lombard dans les collections du musée de Saint-Maur en région parisienne. Cette découverte permet de relancer la réflexion autour des œuvres du maître liégeois. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de faire quelques brefs rappels. Lambert Lombard est né à Liège en 1505 et il meurt en 1566. Petite lampe. Merci. Merci beaucoup. Selon l'historiographie, il aurait suivi sa première formation à Liège. Il aurait ensuite poursuivi celle-ci à Anvers auprès de Jan de Beur pour ensuite se perfectionner auprès de Jan Gossart et Jan van Skorrel. Si aucun élément ne permet à ce jour de dater précisément les étapes de sa formation, Lombard débute probablement sa carrière entre 1525 et 1530. On sait qu'il est actif à Liège en 1532, où il figure dans les comptes de l'église de Saint-Séverin en Condreau pour un paiement pour la réalisation d'une polychromie pour un calvaire, et il est mentionné en tant que peintre du prince-évêque et cardinal Erard de Lamarque. Deux autres archives le mentionnent en 1536 et début 1537. Sinon, à ce jour, on n'a aucune information sur l'artiste et son activité avant son voyage en Italie. Alors, le 22 août 1537, il quitte Liège dans la suite de Reginald Poole pour se rendre à Rome, où il arrive le 18 octobre de la même année. Le voyage est interrompu par le décès d'Erard de Lamarque en février 1538. Combien de temps la nouvelle met-elle pour arriver à Rome? Lombard quitte Rome directement. Quel est son itinéraire de retour? Passe-t-il par la France? Ce sont autant de questions qui sont encore aujourd'hui sans réponse. On estime qu'il doit être de retour à Liège durant l'année 1539, ou plus tard. Alors, les plus anciens dessins connus, signés et datés de Lombard, datent de 1538 et sont réalisés à Rome. À partir de cette date, on connaît de très nombreux dessins qui permettent de reconstituer sa pensée artistique, mais aussi plusieurs aspects de sa vie quotidienne et de ses déplacements. Je vous mets un échantillon, on va être très très light par rapport à l'ensemble des dessins connus aujourd'hui. Ces dessins, dont le nombre est conservé pour un artiste de cette époque, est vraiment exceptionnel. Ces dessins ont déjà fait l'objet de nombreux travaux. Je n'évoquerai ici que ceux de la regrettée Gwendoline Denane, qui a consacré vraiment, tant par ses publications monographiques que articles, la majeure partie de ses recherches, avec beaucoup de subtilité dans l'interprétation de ceux-ci. Lombard décède à une date inconnue durant l'année 1566. Des nombreux dessins, mais peu de peintures connues, trop peu de peintures connues. Si on exclut le tableau dont je vais vous parler aujourd'hui, en dehors des panneaux du retable de Saint-Denis, on ne connaît que 8 toiles du cycle des femmes vertueuses. Je vous présente ici 3 toiles de ce cycle, donc qui en compte 8, partagées entre l'église Saint-Amand à Stockroy et les musées de la ville de Liège. Et ce cycle, en fait, est probablement incomplet. Donc, 8 peintures sur toile. Un diptyque aujourd'hui démembré, consacré à l'histoire de Joachim. Le premier panneau à verre et revers peint se trouve dans les collections de la ville de Liège. Le panneau présentant l'annonce à Joachim est dans une collection privée allemande. Et enfin, un panneau, plus exactement un fragment, provenant d'un volet d'un, ce qui doit être un grand triptyque, conservé lui aussi dans les musées de la ville de Liège. Donc il s'agit des Saintes Femmes au tombeau, qui sont en fait la partie supérieure d'un volet. Cette absence de tableau a été justifiée dans l'historiographie par un état de conservation
de ces peintures, déjà très préoccupant au XVIIe siècle, lié, semble-t-il, à une piètre qualité d'exécution. Également par la destruction lors de l'incendie du palais de Bonn en 1691, où les tableaux de Lombard, collectionnés par le prince-évêque Maximilien Henri de Bavière, avaient été rassemblés par ce dernier. Tableaux qui provenaient du palais des princes-évêques, mais aussi d'églises et de collections privées liégeoises. Enfin, une interprétation un peu rapide du texte de Dominique Lampson a conforté certains auteurs dans l'idée que Lombard n'avait pratiquement jamais peint. Ces explications semblent peu crédibles, ou du moins n'expliquent pas probablement l'entièreté de ces disparitions. C'est dire si la découverte d'un nouveau tableau est d'importance pour reconstituer cette activité de Lambert Lombard. Alors, je vous livre une photo du tableau avant la restauration. Il n'est pas très enthousiasmant, je vous l'accorde. Ce panneau représentant Marthe et Marie pleurant la mort de Lazare est rentré dans les collections du musée de Saint-Maur en 1942, comme un tableau italien au sujet biblique inconnu. Il provenait alors de l'église Saint-Nicolas de Saint-Maur. La provenance antérieure du tableau n'est pas encore établie. On espère arriver à savoir qui a donné ce tableau à l'église. Ce tableau n'a attiré l'attention de personne jusqu'il y a 2 ans, où Patricia Vergès, professeure à l'Institut national du patrimoine à Paris, le sélectionne pour le restaurer. C'est au cours de cette restauration qu'elle a eu l'intuition que ce panneau pouvait bien être de Lombard. Je vous montre le tableau durant la restauration. Vous voyez un tableau évidemment en très mauvais état, lacunaire évidemment sur sa partie inférieure. Un panneau aussi un peu singulier puisqu'il est composé de 3 éléments verticaux, malgré son format plutôt paysage, dirons-nous. Alors, un dessin conservé dans l'album d'Arambert témoigne d'une des premières phases de l'élaboration de la composition. Grâce aux nombreux dessins conservés, on peut comprendre la manière dont Lombard travaille, comment il élabore ses compositions. Il réalise un ou plusieurs croquis, puis arrête un état de la composition qu'il reproduit dans un dessin de plus grand format. Dans le cas présent, on ne connaît plus aujourd'hui que ce croquis. On y reconnaît la scène principale, le second plan ayant été simplifié dans le tableau. Mais nous allons nous intéresser plus particulièrement au tableau, ou du moins ce que l'on peut en observer encore aujourd'hui. Je dirais qu'on a ici un concentré de Lambert Lombard. Tout d'abord, les figures drapées à l'antique qui sont présentes dans toutes les œuvres du peintre. C'est vraiment une caractéristique récurrente, que ce soit dans les dessins ou dans les quelques tableaux qu'on conserve, les personnages portent ces drapés à l'antique. Ici, les personnages sont disposés sur 3 niveaux, en respectant pour chaque niveau la règle de l'isocéphalie. Là aussi, c'est une constante dans l'œuvre de Lombard. L'utilisation des figures repoussoires qui conduisent le spectateur vers le point d'action, la gestuelle emphatique des personnages, le choix des vêtements dominés par le rouge et le bleu, avec une touche de jaune, sont aussi des éléments récurrents dans les compositions de l'artiste. La représentation à l'arrière-plan d'une scène qui précède ou suit l'épisode principal est une technique narrative que Lombard utilise à plusieurs reprises, notamment dans le cycle des femmes vertueuses. On pense à l'épisode de Jaël tuant Sisara, où on a aussi à l'avant-plan la scène principale et puis à l'arrière-plan une scène secondaire. Le schéma compositionnel adopté pour Marthe et Marie pleurant la mort de Lazare est assez proche de celui des femmes au tombeau, où l'on retrouve la même disposition pyramidale avec aussi des personnages drapés à l'antique. La scène de l'arrière-plan dans le tableau de Saint-Maur, qui évoque la rencontre du Christ avec Marthe, fait également penser par son traitement à la scène du Nonnie McTangeray, des femmes au tombeau, également repoussées au fond à droite de la composition. Les œuvres
de Lambert Lombard se caractérise par un goût prononcé pour l'Antiquité, dont il est un fin connaisseur. Il traite ces sujets souvent religieux ou à connotation interprétation religieuse dans des décors qui évoquent cette antiquité. C'est le cas ici, où la scène se déroule dans une architecture clairement, qui évoque clairement les monuments classiques. On retrouve dans ce tableau de nombreux éléments ornementaux chers à Lombard. Le motif... Le motif de Dieu le Père entouré d'anges dans la coupole est commun avec d'autres de ses œuvres. Ce motif est isolé avec une variante. J'ai pas le bon truc. Voilà. Ce motif est isolé avec une variante dans un dessin conservé à Budapest, mais il est aussi utilisé de manière très similaire dans le médaillon de l'architecture de l'offrande de Joachim. Et il figure également dans les reliefs des tympans d'un dessin représentant le repas chez Simon. Le motif du bucrane avec les lauriers surmontés d'une coupe, les lions antithétiques, les deux masques sont autant de motifs qui évoquent l'Antiquité et que l'on retrouve dans d'autres œuvres de Lombard. À titre d'exemple, je vous montre un détail du tableau représentant Colodia tirant le bateau de Cybèle, où l'on retrouve ce motif du bucrane, tout comme dans le tableau de Saint-Maur. Un panneau de hiéroglyphes parachève cette évocation de l'Antiquité. Lambert Lombard rehausse régulièrement ses œuvres de ce type de motif. Bien plus que le simple motif décoratif, les néo-hiéroglyphes intéressent Lombard qui s'adonne à ce jeu d'écriture à plusieurs reprises, comme en témoignent plusieurs dessins de l'album d'Arambert isolant ces hiéroglyphes, mais aussi leur présence dans plusieurs compositions peintes ou dessinées. Si ici il ne semble pas revêtir de signification, il permettait au peintre d'inscrire l'épisode représenté dans le temps, mais dénote aussi de la culture de l'artiste et de sa volonté de proposer une peinture savante requérant une certaine érudition pour pouvoir en comprendre et en apprécier tous les détails. Comme vous le voyez, toute une série d'éléments stylistiques et iconographiques permettent de rattacher, sans beaucoup de doute, ce tableau à la production de Lambert Lombard. Alors, des photographies infrarouges ont été réalisées à l'Institut national du patrimoine et permettent de compléter les observations. Je vous montre une vue d'ensemble de cette photographie infrarouge. Elle met en évidence la présence, comme vous pouvez le voir, mais on a un détail ici, d'une mise au carreau, qui est le processus, ou un des processus habituels pour transposer la composition élaborée sur la feuille de papier vers la toile ou le panneau à peindre. Alors, on remarque que l'ensemble des personnages ont été dessinés. Certaines figures principales ont d'abord été dessinées une première fois, puis une seconde fois avec quelques modifications. Alors, je vous montre. Alors, la qualité des photos infrarouges est un peu limitée, mais permet quand même déjà d'avoir des premières informations. Si un examen en réflectographie infrarouge est souhaitable, on peut déjà quand même avoir ici quelques bonnes idées. Donc on voit que les personnages ont d'abord été dessinés, je dirais, un peu plus bas, et il y a aussi des modifications dans la coiffe, notamment du personnage masculin, la figure repoussoire à l'extrême gauche de la composition. On remarque également que les personnages portent quelques hachures pour indiquer les ombres, comme dans le cas de ce personnage à droite du groupe de personnages principaux. Pardon. Et on peut deviner aussi ici qu'il y a une modification, notamment dans le dessin de l'épaule du personnage. Alors, la comparaison du dessin sous-jacent avec d'autres dessins sous-jacents qui sont attribués à la main de Lambert Lombard permettent de rattacher le tableau à ce groupe.
Alors là, évidemment, la différence de qualité entre les clichés se fait évidemment sentir. Mais si vous observez le personnage à l'arrière-plan de profil, on est sur un détail du tableau Claudia tirant le bateau de Cybèle. On peut observer que la manière de dessiner notamment le profil du personnage en un trait, cette espèce de V allongé, couché pour dessiner les yeux, la bouche dessinée en un trait légèrement retombant pour indiquer la commissure des lèvres, est commune aux deux dessins et est commune avec d'autres dessins sous-jacents et d'autres dessins de Lambert Lombard. Si on... Oups, je vais trop vite. Si on observe le personnage de face, on se rend compte que la manière d'évoquer la barbe en quelques traits et la séparation de la barbifide en deux traits est identique. Là aussi, quelques traits très simples pour indiquer la position des yeux. Et une des caractéristiques des dessins sous-jacents dans les tableaux de Lambert Lombard, c'est que même l'étoffage est dessiné. Et ici, si on prend la scène de l'arrière-plan, toujours à gauche, le tableau représentant Marthe et Marie pleurant la mort de Lazare, et donc vous voyez la scène, le dessin de la scène où Marthe va à la rencontre du Christ. Si vous la comparez à une scène secondaire, toujours du même tableau, Claudia tirant le bateau de Cybèle, vous pouvez constater qu'il y a une façon de dessiner ces personnages d'arrière-plan assez similaire, et notamment ces pieds que je vais qualifier de trapézoïdaux ou rectangulaires, que l'on retrouve autant dans les personnages de Marthe que dans le personnage à gauche de l'hôtel dans le tableau de Claudia. Je ne vais pas multiplier les comparaisons, mais il y a comme ça toute une série d'éléments au niveau du dessin sous-jacent qui permettent de rattacher le dessin sous-jacent du tableau du musée de Saint-Maur au tableau de Lambert Lombard, pour lesquels on a une certitude quant à leur attribution et l'exécution du dessin sous-jacent par Lombard lui-même. Alors, on est face donc à un tableau de Lombard, mais une question que l'on est en droit de se poser face à ce tableau, c'est comment peut-on identifier le sujet ? Sans le dessin de l'album d'Arambert, qui porte la référence de l'évangile de Jean, nous serions bien en peine, je pense, de proposer une identification avec une certitude. Alors comment les contemporains de Lombard pouvaient-ils le faire ? Peut-être figurait-il sur le cadre, mais une autre piste, à mon sens, mérite d'être explorée. Alors à titre d'hypothèse, je vous propose d'envisager ce tableau comme l'élément d'une série. Le sujet qui vient bien entendu à l'esprit quand on parle de Lazare, c'est non pas ses sœurs pleurant sa mort, mais sa résurrection. Un très beau dessin de Lambert Lombard, conservé à Düsseldorf, représente cette résurrection. Ce dessin est en fait le fruit d'un processus créatif débuté en 1544 et qui s'étend sur plusieurs années. Il nous apparaît aujourd'hui dans son état final, mais une copie de la première version ou une des premières versions de la composition est conservée à l'Université de Liège au musée Wittert. La composition est centrée sur la scène principale et correspond à la partie centrale du dessin de Düsseldorf sans les ajouts et les corrections des drapés par collage que Lombard a ajoutées par la suite. Ce dessin présente, comme vous le voyez, des taches d'huile et de couleurs au verso, qui témoigne de son séjour dans un atelier. Si on parcourt le catalogue des dessins attribués à Lombard ou des copies des dessins de Lombard, on peut identifier deux autres dessins qui ont du sens dans ce contexte. Un dessin, d'après Lombard, conservé au musée Pouchkine, qui représente le Christ chez Marthe et Marie. Ce dessin, tout comme celui du musée Wittert, est une copie d'après un original perdu. Ce dessin, lui aussi, porte quelques traces d'huile, pardon, et semble avoir été utilisé dans un atelier comme celui du musée Wittert.
Vu les circonstances, je suis déjà contente d'avoir pu obtenir une photo de ce dessin. Il est malheureusement difficile d'envisager de se déplacer pour le voir. Si l'on compare les personnages des trois compositions, on remarque la similitude de tenue qui permet de les reconnaître dans les différents épisodes. Ce procédé narratif n'est pas rare à l'époque de Lombard, on le retrouve par exemple dans les panneaux du retable de Saint-Denis. Alors ici, au registre supérieur, vous avez les trois représentations de Marie, donc dans le dessin du musée Pouchkine sur le tableau, et dans l'épisode de la résurrection de Lazare, c'est le dessin du musée Utrecht qui est reproduit ici. Dans le registre inférieur, Marthe n'apparaît pas dans la composition du musée Pouchkine, mais elle apparaît bel et bien dans l'épisode de la résurrection de Lazare, elle aussi. J'ai choisi un autre personnage que l'on retrouve, ce personnage masculin que l'on retrouve là aussi dans les trois compositions. Alors, il existe enfin une autre copie d'après une autre composition perdue de Lombard qui pourrait venir compléter la série. Ce dessin, intitulé « Le repas chez Simon le pharisien », représente en fait, comme l'a judicieusement démontré Marie-Hélène Lafineur, l'onction de Béthanie, quatrième et dernier épisode des Évangiles, où apparaissent Marthe et Marie. Ces quatre compositions constituent un ensemble cohérent autour des figures de Marthe et Marie. Les deux sœurs apparaissent à quatre reprises dans les Évangiles, lorsque le Christ est reçu chez les deux sœurs, lors des épisodes autour de la mort de Lazare et lors de l'onction de Béthanie. Marthe est décrite par Luc et Jean comme une femme pratique, active et franche. C'est elle qui prend en charge les travaux domestiques, c'est aussi elle qui sort, dans le tableau qui nous occupe, pour rencontrer le Christ qui s'approche du village. Un intérêt particulier du récit de Jean est la profession de foi de Marthe. Tandis que Marie reste en pleurs à la maison, Marthe s'engage dans une discussion théologique avec le Christ concernant la résurrection des morts. Peu présente dans les textes des Pères de l'Église, Marthe et Marie vont prendre de plus en plus d'importance dans la littérature exégétique et sont présentées comme des symboles de la vie active et de la vie contemplative, l'une étant indissociable de l'autre. Au XVIe siècle, les deux sœurs sont des modèles populaires au sein des congrégations religieuses féminines. Marthe figure, par exemple, en bonne place dans plusieurs séries de gravures de Martin de Vos, qui illustrent des recueils de femmes présentées comme des modèles pour toute bonne chrétienne. Il n'est donc pas interdit de penser que la conception d'une suite de tableaux autour des deux sœurs peut faire sens dans la principauté de Liège dans les années 1540-1550, tant à destination d'une ou deux religieuses qu'éventuellement une dame très fortunée. Alors, cette proposition invite à reconsidérer un tableau passé inaperçu depuis des années. Il est vrai que son état ne plaide pas en sa faveur, il est fort endommagé et présente de nombreux surpeints qui n'aident pas à apprécier son intérêt. Maintenant, quand on voit les photos avant restauration du tableau retrouvé au musée de Saint-Maur, on n'en est pas très loin quand même. Cette résurrection de Lazare, conservée dans les collections du musée de la Vie Wallonne, est-elle un des autres panneaux de la série ou une copie d'après un panneau de la série? À ce stade des recherches, il n'est pas possible d'apporter une réponse. Ce que l'on peut tout de même préciser, c'est que cette version de la composition est plus proche du dessin du musée Utrecht, notamment dans le traitement des drapés où il n'y a pas les corrections qui figurent sur le dessin de Düsseldorf. Donc, cette peinture est plus proche du dessin du musée Utrecht que de l'original du musée de Düsseldorf. Alors, ce tableau devrait faire l'objet d'une étude dans les prochains mois, au moins une réflectographie pour essayer d'approcher le dessin sous-jacent et de voir ce qu'on peut éventuellement en tirer. Évidemment, des analyses dendrochronologiques, tant du tableau de Saint-Maur que du tableau du musée de la Vie Wallonne, seraient les bienvenues pour pouvoir situer ces panneaux par rapport à l'ensemble des données qui existent déjà concernant les peintures de Lambert Lombard et les peintures liégeoises en général. Alors,
On voit régulièrement sur le marché de l'art des dessins inconnus jusqu'ici. Je vous montre un dessin passé en vente au début de cette année à Paris, qui est clairement en lien avec les Saintes Femmes au tombeau qu'on a déjà évoquées ici. La découverte d'un tableau est plus rare, mais il y a encore assurément des œuvres qui dorment dans les réserves ou dans les collections privées. Ces découvertes invitent aussi à revoir et à reconsidérer ces nombreuses copies d'après des originaux perdus, mais qui sont autant de traces, selon moi, de l'activité picturale de Lombard et de son atelier. Ainsi, j'en ai de nouveau, en voilà trois, dont une très fragmentaire, mais elle présente aussi des traces d'utilisation dans des ateliers. J'en sélectionne deux autres, représentant donc la charité romaine, qui témoigne d'une composition perdue de Lombard et qui pourrait peut-être être un des tableaux manquants du cycle des femmes vertueuses. Si on part dans l'hypothèse que le cycle n'est pas complet, la charité romaine pourrait être tout à fait un épisode qui pourrait venir compléter ce cycle. Ces dessins ne sont pas, comme on l'a longtemps suggéré, des exercices de ses élèves, mais des copies utilisées au sein d'un ou de plusieurs ateliers pour la réalisation de peintures. Et là, il faut entendre peinture au sens large du terme. Ça peut être des peintures de chevalet, ça peut être des modèles pour des vitraux, ça peut être des modèles pour des peintures murales. Il faut vraiment voir les choses au sens très large. Ancrer l'activité de Lambert Lombard dans la réalité d'un atelier de la Renaissance n'a rien d'incompatible avec son statut de Pictus Doctor, comme on l'a trop longtemps pensé. Comme l'indique Dominique Lampson, de par son statut, Lombard pouvait se permettre de ne travailler que pour des commanditaires prestigieux et de sous-traiter la réalisation des tableaux. L'utilisation des copies de ses créations au sein de l'atelier permettait de préserver ses dessins originaux qu'il conservait et retravaillait parfois pendant plusieurs années, comme en témoigne la résurrection de Lazare de Düsseldorf, dont la première version date de 1544 et la dernière version, celle qu'on connaît aujourd'hui finalisée, on peut dater du début des années 1550. C'est cette version-là qui va être gravée par Jérôme Koch. Malheureusement, la gravure de Koch ne porte pas de date. Et il y a un dessin conservé à Amsterdam, daté de 1552, qui correspond à un des personnages ajoutés par rapport à la composition initiale. Donc on pourrait se situer dans cette première partie des années 1550, probablement après 1552. Je suis vraiment convaincue que la révision complète de l'ensemble de ces copies permettrait d'affiner encore la connaissance de la manière dont les tableaux étaient conçus et produits, si je puis dire, par Lombard lui-même ou par son atelier. Il y a vraiment, à mon sens, un gros travail à refaire sur tous ces dessins qui ont été un peu négligés, parce qu'il n'était pas de la main de Lombard. Alors, je voudrais terminer, et puis surtout passer à un échange avec vous, si vous le permettez. Je voudrais terminer en remerciant Madame Boustany, conservateur du musée de Saint-Maur, Madame Patricia Verger de l'Institut national du patrimoine à Paris, pour m'avoir laissé l'opportunité d'étudier ces tableaux. Et je ne voudrais pas non plus oublier Pierre-Yves Kéris, qui m'a mis en contact avec Patricia Verger. Je vous remercie.